Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2 avec donc ce qui est maintenant l'Empire de Tartarie. J'ai été le premier à créer un empire, mais honnêtement, ça s'est joué à mon avis à peu de choses. Il y a des comment, des pays, enfin des royaumes, pardon, comme par exemple le royaume de Perse qui pourrait créer l'Empire Perse assez rapidement à mon avis. Il y a peut-être. Alors, le problème de la Lotharingie, c'est qu'elle est à cheval sur trois empires. La France, l'Italie et le Saint-Empire. Donc là, c'est peut-être un peu difficile. Non, la Ruthénie est très loin de pouvoir créer la Russie. Voilà, peut-être que ouais, j'ai quand même une certaine avance de ce point de vue-là. Alors, question de taille de domaine, par contre. Je pense que je suis toujours derrière. Ouais, je suis toujours derrière la Lotharingie et j'ai beau essayer d'avancer, ils avancent plus vite que moi. Par contre, je vois que j'ai plus de troupes maintenant, ça c'est clair. Avec 30 000 hommes, je suis passé en tête en nombre de troupes. La Mésopotamie et la Lotharingie étant pas très loin derrière. Mon roi a 44 ans, il a beaucoup d'enfants. J'ai nommé beaucoup de mes enfants ducs suite à toutes mes conquêtes et je crois que je vais bientôt me diriger vers un nouveau duché là. Il faudrait que je pique la Syrie à la Mésopotamie. Mais le fait est que c'est quand même un gros morceau. Ça demande réflexion. Je vais la libérer. Ouais, je pense que je peux me lancer dans cette guerre sans trop de risques, honnêtement. Bon, mon escorte est à sa taille maximum. Mes vassaux, c'est pas trop mal, honnêtement. Ouais, il n'y en a plus qu'un qui m'aime pas. Une, d'ailleurs. Et à mon avis, ça peut s'arranger. Ouais. Ouais, ça coûte un peu cher, donc je vais pas le faire. J'ai envoyé mon conseiller. Je vais créer peut-être pas tous mes titres de roi. En fait, j'aime bien garder cette possibilité pour. Alors, ça coûte quand même pas mal de piété. Je vais garder pour mon prochain empereur, hein. Ça boostera son prestige. Remarque, il en a déjà pas mal. Je vais me créer le plus ancien. Enfin, celui que j'ai, pardon, depuis le plus longtemps, le royaume de Bulgarie de la Volga. Voilà, un titre de plus. Alors, normalement, tous ces titres sont en autorité max. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Je vais peut-être augmenter mes troupes. Ouais. Je vais passer en troupe de la cité moyenne. Ça, par contre, ça risque d'être compliqué à faire passer. Opinion. Ah non, je pense qu'il y en a beaucoup là qui vont voter pour moi très rapidement. Ça devrait le faire. Ça met quelques temps à se faire les votes. Voilà, c'est très rapide. Ok. Ça devrait bien augmenter mon nombre de troupes. Alors technologiquement ça va aussi, pas trop de soucis. Ah, il y a une guerre de plus. Pas très un soulèvement, une révolte. Honnêtement, j'ai quand même bien envie d'attaquer pour donner à mon fils son titre de duché comme ses frères. Encore une prisonnière. Je vais la libérer, hein. L'autre, je suis en train de l'éduquer, je pense. Ouais. Bon, je peux passer en vitesse maximum, peut-être. Alors,
Je fais 15 d'argent, ce qui en soi est pas exceptionnel. Ouais, j'ai envie de la faire cette guerre, c'est parti. Déclarer la guerre pour une guerre culturelle, hein, pour la Syrie. C'est parti. Je fais appel à toutes mes troupes parce que quand même on a affaire à un royaume assez important. On va se donner rendez-vous ici. La première fois que je fais. Première guerre que je fais sous l'étendard de l'Empire de Tartarie. Je crois que je vais arrêter de me développer dans ce sens-là. Puisque de toute façon, on aura les invasions la Horde d'Or vraiment. Bon, pas tout de suite, hein, j'ai encore. Encore pas mal de temps, mais bon. Faut mieux que je me développe vers l'ouest que vers l'est. Parce que de toute façon, j'aurais énormément de mal à faire face. C'est quoi ma mission en ce moment? Améliorer mon savoir. Ok, il y a encore un petit peu de boulot d'ailleurs. Ok, une petite conversion. Là, je crois que je vais bouger. Il faut de toute façon que je m'attaque en priorité. Ouais, en priorité aux terres du duché que je vise. Alors. Ouais, évidemment, il a la Perse qui est venue l'aider. Donc là, ça va commencer à être difficile. Je vais appeler l'ordre sacré. Ça coûte rien. J'ai 3400 de piété. Donc c'est toujours intéressant. Alors 1700 défenseurs. Quand même, c'est pas rien. J'attends d'avoir 10 000 hommes, voilà. 11 000 hommes. C'est parti pour la province suivante. Ah, je pense qu'il va attendre d'avoir une armée bien groupé pour venir. Ça paraît logique. C'est pour ça que pour l'instant on le voit pas, mais ça veut pas dire que il a pas d'armée. Il m'énerve avec ses troupes là. Je vais l'attaquer. Ok, c'est. C'était pas des troupes de Mésopotamie, c'était les troupes du duc à mon avis. Mais j'avais quand même envie de me le faire. Ah merde, malade. Faudrait pas que je meure pendant ma guerre, c'est jamais très très bon. Ma femme qui est encore enceinte. Alors je crois que c'est ma deuxième femme. Hein. Du coup là, 2, 4, 6, 8, 9, 10 enfants, ça me fera. J'ai un fils de 8 ans, il va falloir que je trouve un duché. Si je veux respecter ma logique. Et merde. Bon, ça, c'est pas génial, j'avoue. En plein milieu d'une guerre. J'aime pas du tout ça. Par contre, il a 28 ans, il a qu'un enfant. C'est pas terrible. Bon, je vais abandonner ce titre ici. Il faut que je change de conseiller. 22, oui, c'est beaucoup mieux. Par contre, là, 19, c'est bien. Ok, je leur donnerai des missions après. Pour l'instant, il faut que j'abandonne le duché qui était là. C'est bête que mon frère là n'ait que 8 ans. Sinon je lui aurais donné celui-là, mais remarque je peux attendre. 8 ans. Je vais peut-être attendre. Je suis pas au-dessus de ma limite. Je suis à 8 sur 8, donc il n'y a pas d'urgence en fait. Je sais pas pourquoi je voulais absolument me presser.
Mais non, je vais attendre, tout simplement. D'abord, de toute façon, faut que je m'occupe de cette guerre. Ok, premier domaine pris. J'ai pas vu d'armée, ça, je dirais pas que ça m'inquiète, mais je sens que quand il va venir, on va pas être déçu du voyage, c'est un peu ça le problème. Ah, deuxième domaine de prix, ça c'est cool. Donc là j'ai pas d'autre armée, hein, j'ai tout regroupé. D'accord, j'ai tout regroupé. Et merde. Kuma. Je vais aller voir où c'est. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de donner du boulot à mes conseillers. Faut pas que j'oublie. Ok, je vais d'abord m'attaquer à ça. Je préférerais éviter qu'il y ait des hérésies. Alors, je vais faire de la technologie. De la technologie. Un peu d'espionnage pour l'instant. Faut que je regarde où sont les vassaux qui m'aiment pas. Il doit y en avoir beaucoup. Ça devrait pouvoir résoudre le problème en attendant, en donnant un titre honorifique. Je vais donner tous les titres honorifiques que je peux. Allez, elle. Ah, elle, je peux pas. Donc, je vais travailler sur elle en priorité. Bon, faut quand même que je surveille, hein. J'ai un peu peur là. Ah non, encore une hérésie. Il faudra que j'y pense, mais j'ai qu'un seul. J'ai qu'un seul rabbin, malheureusement. Donc, je peux faire qu'une province à la fois. Je sais pas pourquoi il ramène pas d'armée, ça me. Quand je vais le voir débarquer, je sens que je vais le regretter. Ah, bah, il a déjà réussi sa mission. Je dois dire que je suis un peu surpris. Il n'est pas censé être aussi doué que ça, mais bon, c'est parfait. Ok, 28. Comment c'est que je le vois pas? Peut-être que ces guerres sont plus compliquées que je ne le pensais. Ah bah non, certainement pas. Hein. Je sais pas ce qu'il faut. Il attend vraiment d'avoir une très très grosse armée pour venir, je pense. Ça par contre c'est chiant. C'est pas le moment de mettre des révoltes. Ok. Ouais, un territoire de plus de prix. Je serais bien tenté d'aller m'occuper de la révolte, ils sont 4000. Ouais. Non, faut mieux que je me concentre sur ma guerre quand même, c'est risqué. Et merde. Un autre soulèvement. Par contre, c'est quoi ce soulèvement là? Révolte de Tartare de Karaït. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est que ça. Ouais, 7000 hommes quand même, hein. Bon, faut que j'en finisse avec ma guerre. Pour ça, bah, de toute façon, faut que je sois patient.
Ma science. Matériel de siège, bah ça tombe bien. Ça améliore la vitesse de siège. Kumwalad, ok. 53, hein, ça avance pas vite. C'est sûr, quand il n'y a pas de bataille, ça n'avance pas vite. Ah voilà, non, ça c'est pas l'armée. Non, ça c'est pas l'armée de Mésopotamie. De diplomatie. Ah oui, alors j'ai pas regardé c'était quoi ses ambitions. Ouais, améliorer la diplomatie, c'est pas plus mal. Il a des bonnes stats militaires. Ouais, c'est bien. Ok. 77. Ah putain, il veut pas. Ça me rend nerveux. Pendant ce temps-là, les révoltes s'empilent. Voilà, celle-là, si je pouvais la racheter, ça me ferait un peu d'argent. Honnêtement, je pense qu'il me manque plus beaucoup de sièges, hein. Quand ces trois-là seront faits, toute la province va m'appartenir, là. Ici, pas tout à fait, quand même. Et ici, non plus. Il y en a deux là qui vont tomber. Ah bah c'est celle-là qui est tombée en premier d'ailleurs, bizarrement. 94. Et 100, voilà. Donc là il a pas trop le choix. Et bah j'ai pas vu l'armée, j'ai pas compris, j'avoue. J'ai absolument pas compris pourquoi j'ai pas vu d'armée ennemie. Mille là quand même, hein. Ok, donc me voilà quand même à 23 sur 8 en termes de territoire. Donc je vais distribuer tout ça et donner ça à mon frère. Alors est-ce qu'il y a des gens intéressants à ma cour déjà? Ouais, lui. Lui aussi, bah c'est bien, j'ai pas mal de monde de libre. Parfait. Ah bah décidément, j'en ai toute une ribambelle. J'ai encore un titre à donner. Regardez un titre, bossera. Je vais de ce pas usurper le titre duché de Syrie que je vais donner à mon frère. Il va plutôt m'aimer, je pense, après ça, voilà. Ce qui est bien, parce que honnêtement, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui m'aiment dans l'eau. Il y en a qui sont limites, mais il y en a quand même beaucoup qui me détestent. Alors, j'ai quand même gagné une guerre, sérieux. Ah, par contre, à lever des troupes, moins 8, ça, c'est clair que c'est pas bon du tout. Il va pas falloir que je reste trop longtemps comme ça. Malheureusement, là, j'ai les révoltes à gérer. Donc, je suis obligé de rester comme ça un certain temps. Et ce qu'il y a, c'est que l'Empire commence à être vraiment très grand. Et du coup, il va falloir que j'en fasse tout le chemin. Ah bah, décidément. Eh oui, quand même. Ils vont être nombreux. Je vais la libérer. Ah non.
Et là, ils vont commencer à prendre des territoires, c'est sûr. Ils sont quand même 13 000. Hein. Alors, ça, c'est quoi? C'est ma demi-sœur. Dieu sait si j'en ai des demi-sœurs. Et... ouais. Peu importe, je dois dire. Donc là, on va pas y aller par ici, évidemment, parce que je veux pas avoir à traverser une rivière. Par contre, ils ont beaucoup d'attrition, ils sont déjà plus que 12 700, ça a bien diminué déjà. Alors, racheter, c'est pas possible, donc je vais la libérer. Oh non! Bon, ça va, ils sont pas très nombreux. Hein, au moins, je vais me faire du prestige. Même s'il en manque pas, hein, il est déjà à 1125, c'est que le début du règne. Je trouve qu'il est pas mal déjà. Il a pas. Il bouge encore là. Pourquoi il bouge? Tout le monde va par là. Ah, ils se sont réunis, j'avais pas vu. Putain, je vais mourir. Eh merde. Et je vais mourir 2 fois en plus, c'est ça qui est bien. Ah non, je vais peut-être gagner la 2e fois. C'était moins une. Ah là, par contre, il m'a sauté dessus. J'ai pas eu le temps de voir. Ah, je crois que je vais arriver trop tard. Hein. Le 20 juillet, dans 6 jours. Ah, peut-être pas. Et en plus, il va peut-être perdre. Ouais. Alors, j'ai emprisonné son sosie, mais c'est pas tout à fait lui. Ça doit être très proche quand même. Donc là, je vais le poursuivre. Ok, je sens que cette révolte va être un peu chiante à gérer. Qu'il va falloir faire un certain nombre d'allers-retours. Ah, faction, ça c'est pas drôle. Merde, plus je perds de troupes évidemment, plus j'aurai de factions contre moi. Là, faut qu'ils arrêtent. Ils commencent à être très nombreux. D'ailleurs, ils attaquent. Honnêtement, je serais bien à trop tard. Ok. Pour l'instant, ils se rendent pas. Hein. Je vais reprendre mon territoire. Ça c'est géré. Donc celui-là, 100%, c'est fait. Je continue à me faire un peu de prestige. Ah, ce qui m'inquiète, c'est ceux-là, ils sont quand même 13 000. J'aimerais bien reprendre mon château déjà, c'est vrai que ce serait cool. Là, faut que je me méfie parce que je sais qu'ils vont m'attaquer, donc en fait, je vais faire le tour par là. Ils bougent pas. Ils ont pas d'attrition, c'est dommage. Ça m'aurait bien arrangé. Bon, je suis obligé d'arrêter l'épisode ici. Bon, l'autre révolte qui est aussi un peu compliquée, c'est celle qui est à l'autre bout là. Et je vois que j'en ai une autre, mais je sais pas où elle est en fait. Ah merde, elle est tout au bout là. Je l'avais pas vue celle-là. Ce que je vais faire, je le vais. Un peu plus de troupes. Ouais, en fait, j'ai pas grand chose.
Non, on va pas aller par là, on va éviter. Ok. Bon, je vous laisse et je vous donne rendez-vous, j'ai pas trop regardé, j'avoue, pour le prochain épisode. Je dirais ce soir sans doute, ou demain matin, pour le prochain épisode de ce Let's Play.